Coucou tout le monde. Bon, je suis de retour à la maison. Aujourd'hui, je suis partie faire ma couleur parce que dans les prochains jours, il se passe des petits trucs. Donc, j'avais besoin de tout remettre à neuf. J'ai refait ma couleur. Et je ne suis pas habituée parce que c'est très très rare que je maquille ma bouche. Et là, j'ai testé le crayon Huda Beauty que j'ai mis en contour qui est qui est légèrement marronné avec un peu de gloss. Bref, j'aime trop, mais ça me fait bizarre. Et vu que je ne fais jamais ça, j'ai vraiment pas insisté sur le contour de mes lèvres comme j'aurais pu insister pour faire le truc encore plus joli, je pense, et plus dessiné. Mais bon, je me suis dit petit à petit, là, je vais m'habituer à ça. Et peut-être que demain, qui c'est qui me rend visite et qui me rend comme un fou et qui est en train de m'escalader sur l'épaule. C'est le petit man, je sais pas si vous entendez. Des fois, il est gentil comme on ressent vraiment qu'il y a du félin dans cette petite boule de poils. Parce que c'est pas possible d'être aussi mignonne, aussi jolie. Non, mais j'ai coupé la vidéo, il m'a bouffé la joue. Il m'a bouffé la joue. Tu m'as bouffé la joue. Il m'a bouffé la joue. Je sais pas quoi faire. Je sais plus, je sais. C'est-à-dire que là, j'ai un filtre. Sans le filtre, j'ai un trou ici et j'ai un point de sang. Bon, je viens de regarder un petit peu vos messages. Lui, il dort. Voilà. Tranquillou. Tranquillou. Il a oublié qu'il vient de me chiquer la joue. Bon, c'est rien de grave, hein. Juste où il avait la dalle et il s'est dit un petit nugget, elle a l'air bien joufflue celle-là. En tout cas, dans tous vos messages, vous êtes en train de me dire que c'est pas du tout par rapport à la race, c'est parce que c'est un chaton. Enfin, certains me disent que c'est les bengales, ils sont agressifs, et d'autres les balances au cas où ça en intéresse plus une. C'est de remplir un pchit d'eau, et en fait, à chaque bêtise, lui pulvériser dessus pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas faire ça. Et les filles, restez connectées. Je m'apprête à vous montrer ma sélection de chez Perenchini Paris. Vu que tout ça sent bientôt les vacances, j'ai pris plein de trucs trop colorés. Cet ensemble, comme ça, le pantalon, il taille ultra bien. Il est trop, trop beau. La chemise, elle est un petit peu longue. Moi, j'ai décidé de la nouer et de la porter comme ça. Mais c'est splendide. Vous savez à quel point j'ai un amour fou pour tous les jeans de chez Brentini. Donc j'ai pris celui-ci. Le top aussi d'ailleurs vient de chez Brentini. Donc au niveau du jean, pour que les filles vous puissiez imaginer, j'ai pris une taille 34. Il me sert bien. Je prends tout le temps 34 ou 36, ça dépend des coupes. Là on est sur un 34. Donc voilà, du coup au niveau de la taille, je suis bien serrée. Il me va très bien. Un effet délavé comme ça, il est dispo en bleu et en noir. Je l'ai pris directement en deux couleurs parce qu'en fait, à chaque fois, c'est la même histoire sur Brentini. Quand il y a en fait, ils ont que des jeans, genre des vraies tueries. Du coup, ça part direct en rupture de stock. Enfin, pas direct, mais il y a beaucoup de chances que ça parte en rupture de stock. Genre, tous ceux que j'ai dans mon dressing, ils sont tous en rupture. Je suis dingue de leurs jeans, c'est ce que je prends le plus chez eux. Bref, donc ce jean-là, il est dispo en plusieurs couleurs. Moi, je l'ai pris en gris pour que ça change un peu. Il est fendu comme ça sur les extrémités. Il taille trop bien. Et j'ai pris un 36. Ah oui, et le petit top aussi. Donc en matière comme ça, là, je vous montre. Il vient aussi de chez Valentine. Il est vraiment près du corps. Il est trop, trop beau. Et il est surtout super confort. Ensuite, j'ai pris cette tenue, cet ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop joli. En plus, ça te force à porter des couleurs. Pour le coup, c'est vraiment très coloré. Et vous avez cette chemise avec ses manches évasées. Vraiment, cet ensemble, genre coup de cœur. Trop, trop, trop joli. Et d'ailleurs, à savoir que la chemise, bon là, elle est courte parce que je la porte courte. Mais sinon, il y a plusieurs boutons. Vous pouvez la fermer jusqu'ici et faire un simple nœud. Je vous montre à cette... On continue avec cette magnifique abaya ultra large au niveau des manches et que je vous montre les détails. Donc elle est remplie de strass sur tout le col jusqu'en bas. Vraiment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Brentini. Ils font évidemment tout type de vêtements, mais ils font aussi grave des abayas, des ensembles avec des voiles qui sont magnifiques, que je vous ai vachement présentés pendant le Ramadan et qui sont toujours dispo sur le site d'ailleurs. Termine avec cette pépite qui est mon coup de cœur. Genre, elle est trop, trop belle. On est d'accord, les filles. Un côté beige comme ça avec de la dentelle noire et un côté fond noir avec la petite ceinture pour la fermer. Trop jolie. Sachant que j'ai des très hauts talons. Donc, comme ça, vous voyez. Enfin, des très hauts talons.
j'ai ça. Comme ça, vous voyez au niveau de la hauteur. Mais splendide. Bref, voilà, c'était ma section Brentini. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en swipe up juste en bas, comme d'habitude. Vous avez mon code. Je vais vous inscrire juste là. Ne vous trompez pas. Ils expédient vos colis sous 48 heures. Donc, ils sont très, très, très rapides. Et voilà, il y a toujours des promos de fou sur leur site d'ailleurs. Et je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à télécharger l'application. Sur l'application, c'est encore plus pratique pour faire ton shopping. Sinon, là, à la base, j'allais prendre mon téléphone pour m'adresser à tous les jeunes qui me regardent. Je ne sais pas si écouter. Donc, je vais vous mettre le lien en swipe up. Il suffit de remplir quelques questions et ça va te proposer des aides à l'heure actuelle, que des aides nationales et régionales. À l'heure actuelle, tu passes peut-être à côté de certaines aides dont tu n'es même pas au courant. Ils ont plus de 400 aides référencées. Donc, je pense qu'il faut vraiment en profiter. Enfin, l'État, il met des choses en place. Ce n'est pas pour les laisser passer et des fois se retrouver dans des petits moments de galère alors qu'on pourrait être un petit peu plus allégé avec une aide. Donc, je vais vous donner toutes les informations. Franchement, je vous recommande vraiment de remplir ce questionnaire. Ça ne vous coûte rien et qui sait, vous avez peut-être le droit à une aide et vous n'êtes même pas au courant. Il faut savoir que 92% des personnes qui ont rempli ce formulaire, donc qui vous prend 5 minutes et qui est totalement gratuit, ont eu le droit à une aide. Quand je vous dis qu'il y a des aides, tu as le droit à une aide pour ton permis de conduire, tu as le droit à une aide si tu souhaites changer de région. Enfin, il y a plein d'aides comme ça qu'on ne soupçonne pas et vraiment, je vous recommande d'en profiter, quoi. Regardez, je vous montre. Donc là, vous arrivez sur USB Money. Vous allez retrouver des témoignages d'ailleurs. Il vous suffit d'arriver juste là. Comment ça marche? Une simulation gratuite. Vous cliquez, vous remplissez le formulaire et vous allez avoir accès à toutes les aides qui peuvent vous correspondre. Bon, j'ai fait la simulation pour mon frère. J'ai pas filmé parce qu'il y avait toutes ces données personnelles. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah lui, par exemple, si on avait fait ça avant, il avait le droit à 6000 euros d'aide dans son domaine. Donc franchement, n'hésitez pas. Je vous mets le lien juste ici. Foncez, on ne sait jamais.